Mes frères et sœurs, ce que nous allons vous montrer ici va vraiment vous étonner. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Quoi? Ça s'appelle le travaillement. C'est un nouveau phénomène qui est en train de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Quoi? Mes frères et sœurs, ce que nous allons vous montrer, si ça n'avait pas été filmé, vous ne le croirez pas. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Si vous avez beaucoup d'argent, même trop d'argent, et que vous avez envie de partager, partagez à ceux qui en ont besoin. Si vous voulez nous soutenir, en dessous de cette vidéo, toutes les informations sont là pour nous soutenir. Maintenant, ce que vous allez voir, c'est à vous de voir si c'est normal ou pas. Mais ce que nous allons voir, c'est hors du commun. Et ça se nomme le travaillement, comme on vient de vous le dire. Écoutez, partagez cette vidéo et suivez-nous. Allons au studio. Deux personnes puissamment riches vont tout simplement faire un face-à-face devant vous. Un face-à-face. Ça s'appelle un duel d'argent. C'est ce qu'on appelle le travaillement. Bon. Mes frères et sœurs, regardez même à l'écran. Le jeune homme A et le jeune homme B vont nous montrer ce qu'ils ont dans la poche. D'où vient cet argent? Franchement, c'est une question que tout le monde se pose. La plupart du temps, nous voyons des choses hors du commun, comme des jeunes gens qui cherchent à devenir très très riches, même hyper hyper riches. Déjà, nous allons vous dire, si vous avez peur de l'argent, beaucoup d'argent, parce que les gens ici qui ont peur d'argent, quand tu leur dis, tu leur parles de 1 million d'euros, ils sont là, ah, c'est trop, c'est beaucoup. Quand tu leur parles de 1 milliard d'euros, ils sont là, arrête de le faire peur. Si vous avez des telles réactions et que vous avez peur de voir beaucoup d'argent, ah, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Peut-être vous serez choqué parce que vous pensez que nous allons voir ici. Donc nous préférons prévenir que guérir. On ne sait jamais. Est-ce que nous avons été même gentils? Ah! Bon, regardez cette vidéo déjà. Regardez. Cette fille est pleine aux as. Et ce sont des billets de banque que vous voyez carrément sur elle comme ça. Ah! Mais d'où nous vient cet argent? C'est la question qu'on se pose. Mais regardez. Les gens sont vraiment dans un délire pas possible. Des gens ici ont de l'argent. Et c'est une fille, elle est même en joie. Apparemment, l'argent fait son bonheur. Regardez, les jeunes gens ont tas de sous comme ça. Beaucoup d'argent. Et on expose beaucoup d'argent comme ça. Et cet homme se prépare sans doute à faire ce qu'on appelle le travaillement. Si vous ne savez pas ce que le travaillement veut dire, mes frères et sœurs, nous allons vous montrer maintenant ce que ça veut dire le travaillement. Le travaillement, c'est une expression utilisée par des gens qui font ça. Voilà. Ce jeune homme a de l'argent apparemment. Et il partage cet argent-là à ceux qui sont là. Vous direz, ah, c'est que c'est une bonne affaire. Voilà. Il utilise beaucoup d'argent. Et quand ils arrivent dans les maquis, dans les boîtes de nuit, le travail qu'ils ont l'habitude de faire, c'est de jeter de l'argent. Là, c'était même parmi eux-mêmes, un bon nombre parmi eux, pour pouvoir avoir tant d'argent et venir impressionner les gens par leur argent. Ces gens sont obligés d'entrer dans les pratiques occultes. Vous ne saurez jamais l'origine de l'argent, mais ce qui est sûr, vous voyez tout ça. Beaucoup d'argent. Ça peut vous tenter. Vous pouvez même être impressionné. C'est tas d'argent. Comme vous le voyez. Beaucoup. On dit lot of money. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. D'où ça vient? Regardez. Ça s'appelle le travaillement. À chaque fois qu'il enlève de l'argent et qu'il verse dans la cuvette, on dit qu'il a dû faire du travail. Plus il verse de l'argent comme ça, on dit qu'il a été travaillé.
plus il dure un donneur de l'argent versus des gens de la cuvette, on dit qu'il est le plus fort. C'est ça le nouveau phénomène des jeunes. Voici, j'ai tout fait le beige aujourd'hui. De l'argent. Des billets de 10 000 francs, c'est ça. L'argent va commencer par des billets de 5 000. Puis des billets de 10 000. 10 000. Vous, ça peut vous tenter. Vous pouvez être séduit. Vous pouvez me dire, ouh, que c'est extraordinaire. Et on applaudit. Ça fait partie du jeu. On applaudit et tout ça. Et comme vous voyez, juste là derrière lui, se trouve aussi un autre jeune, lui aussi, qui est dans le même game. Et vous allez voir que lui aussi, il ne rigole pas. Ils font à peu près la même chose. Et c'est le nouveau phénomène des jeunes. Vous serez même surpris parce que vous allez voir encore. Vous serez même surpris par la capacité de ce jeune homme. Regardez ça. Waouh. Voilà. Ils arrivent. Et j'ai de l'argent en grande quantité, comme chez les Nigériens. Apparemment, je pense que ça vient des Nigériens. Ça vient des Nigériens. Ils aiment beaucoup jeter de l'argent par-ci et par-là. Voilà, j'ai de l'argent. J'ai de l'argent. Comme ça. Bon, beaucoup d'argent. Tous dans le même style. Hein. Toujours dans le même style. Voilà. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ça s'appelle le travaillement. Mes frères et sœurs, si vous allez travailler du pour votre argent, si vous pouvez ajouter votre argent de la sorte, réussissez de la partie commentaire de moi aussi. Regardez. Et c'est ça le monde. Le monde. Ça s'appelle même le travaillement. Si ça n'avait pas été fini, vous ne recevez pas. Voilà. Aïe. C'est un phénomène qui se répand partout hein, dans le monde. Les gens nous demandent combien ils sont forts, ils ont de l'argent. Comme vous le voyez, c'est pas de la base. C'est bien réel. Ça peut paraître un jeu, mais c'est pas de la blague. Ça, c'est le travaillement. Le travaillement. Waouh. Vous pouvez être impressionné. Voilà. Le travaillement. Mais d'où leur vient vraiment leur argent? Est-ce que ces jeunes hommes ont des projets, des investissements? C'était sûr, c'est qu'ils sont blindés. Et ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez que depuis, ça dure plusieurs minutes. Hein, et il ne fait que jeter de l'argent. Il est même prêt à enlever encore de l'argent. Et l'artiste l'a même arrêté. Il a dit franchement, c'est extraordinaire. S'il te plaît, faut arrêter. Tellement il est prêt et il est blindé. Et c'est une joie. Ça, c'est une joie. C'est une joie pour eux. C'est ce qui fait la joie. Et ça fait même partie du game. Et vous allez voir que c'est pas nouveau. Regardez même ici encore. Comme vous allez voir, voilà, c'est la même chose qui continue et il y a de l'argent qui va venir, voilà, ça a commencé, c'est le même, hein? Le président est là, voilà, on jette de l'argent, voilà, c'est un phénomène qui se répand de jour en jour, on appelle guichet automatique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça quelque part. Partagez cette vidéo pour que les gens puissent voir des choses pareilles. Peut-être que vous ne savez pas que ça existe. Mais regardez. Ça existe bel et bien. Ça s'appelle même le travaillement. D'où vient tout cet argent? Nul ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens sont en train de s'amuser avec des pieds de banque. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui ont même besoin d'un seul billet pour pouvoir remplir leur ventre. Parce que depuis le matin, ils n'ont pas pu avaler quelque chose. Voici les choses que nous voulons vous montrer. Mes frères et sœurs, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cet argent vient d'une source fiable? Est-ce que quelqu'un qui a trouvé cet argent a assez son propre jeter comme ça? C'est que si tu as envie de faire les dons, tu peux nous faire des dons de toutes les façons là. Mais il faut que ton argent soit quand même pur. C'est ce qui nous intéresse. Bon, partage cette vidéo, dis-nous ce que tu apprends. C'est parti.